monde, c'est Pikémi. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Pokébox Yveltal, qui aurait dû sortir le 12 mars, mais que j'ai trouvé plus ou moins en avant-première. Donc j'ai décidé d'acheter la Pokébox Yveltal et Xerneas. Donc je commence par celle-ci, bien que je préfère le Pokémon de Xerneas. Mais je sais pas, cette Pokébox me semblait plus familière, j'avais envie d'ouvrir celle-là pour changer. Voilà, donc je vais présenter tout de suite la Pokébox. Donc là, on peut voir la carte promotionnelle. Yveltal, qui est très très joli, mais qu'on verra mieux une fois que je l'aurai ouvert. Donc, la petite. Enfin, le petit relief, je dirais, en fait, d'Yveltal. En dessous, nous avons les énergies. Donc, l'énergie type fée qui s'est rajoutée. Sur le côté, Xerneas, donc l'autre Pokémon emblématique de la série XY. Ici, bah, la même image, en fait, de Yveltal. Et sur le dessus, bah, tout simplement Pokémon. Voilà. Faut quand même rappeler de quelle série il s'agit. Donc, je vais ouvrir ça tout de suite. Alors, j'ai pris soin de prendre un petit ciseau pour que ce soit plus facile. Donc, j'étais très contente de les trouver. Plus tôt que prévu parce que j'avais vraiment hâte de les ouvrir. Je les avais vus sur le site Pokécardex et ça donnait envie. Donc voilà le petit papier au dos. Donc si vous avez envie de lire, voilà, ne vous gênez pas. Et on va commencer l'ouverture. Je vais essayer de faire ça proprement. Donc la carte promotionnelle, voilà, elle est vraiment superbe. Franchement, elle est pas mal du tout. Je la sortirai au moment du récap pour pas l'abîmer et pour vraiment prendre le temps de la sortir et pas faire de points blancs. Le code bonus, voilà. Bon, alors les codes bonus, je les garde, je distribue toujours des codes, mais les codes bonus, voilà, je tiens à les garder. Et puis les 4 boosters, donc j'espère qu'on aura du dragon exalté parce que j'ai vu qu'on pouvait avoir du destiné futur ou même du tempête plasma. Ah, trop bien, trop bien. Du dragon exalté, trop bien. Je voulais cette série parce que justement j'ai pas tout complété et que je la trouve magnifique. Donc nous avons deux illustrations de dragon exalté, Rayquaza, qui est superbe et je pense que c'est ma préférée, et Giratina. Voilà. Et pour les boosters XY, on a Mega Florizarre et Yveltal, justement. Donc, bon, on va commencer ça tout de suite et je pense que je vais commencer par les dragons exaltés. J'espère qu'on aura une bonne pioche. Alors. Ouais, franchement, j'aime beaucoup la série Dragons Exaltés et je priais pour l'avoir parce qu'apparemment, c'est très aléatoire dans les Pokébox. Donc le destiné futur ne m'intéressait pas particulièrement. Et le reste non plus, tempête plasma, bon voilà. Je tenais vraiment à tomber sur cette série. Bon alors on commence par la série Dragon Exalté avec un Watwat, Tarinor, Barpo, Oslay, trop mignon, Scrutella. Foulard de sauvetage, Blindalice, Floravol, Miasme, pardon, en reverse, et Charmion en rare, que j'avais déjà. Bon, cette série, je l'ai quand même bien complétée, mais ce qui me manque, c'est quelques holographiques et bien sûr ultra rares. Voilà. Donc on met ça de côté et on poursuit avec le Rayquaza. Donc toujours le code. Donc par contre les codes de Dragon Exalté, je peux les donner même si c'est peut-être moins intéressant pour vous. Je pense que vous recherchez plutôt des codes de XY. Alors, Cornèbre, Yanma, Capumain, Dynavolt, Moufouette, Fogler, Galégone, Vigoroth. Bon, je tombais pas souvent avant.
J'en vais pas souvent dessus. Castorno en reverse, c'est une peu commune. Et Maganon en rare. Donc rien pour les dragons exaltés de rare. Donc je compléterai pas cette série pour le moment. Donc on passe à la série XY avec Méga Florizarre. C'est parti. Voilà. Donc Flamajou. Pourquoi pas. Starry. Sucroquin. Passe rouge. Coquillasse. Brésillon. J'aime vraiment l'illustration, c'est pas mal. Passe rouge et brésillon, c'est vraiment sympa. Il me manquerait du coup Flambusard que j'ai pas encore tiré. Escroco. Les rollers. Alors Marisson en reverse, c'est une commune. Et Elendel en rare, que j'avais déjà eu en reverse. C'est dommage, c'est dommage. Trois rares, donc j'espère que. Surtout que c'est des rares que j'ai déjà. Alors j'espère que ce dernier booster va nous porter chance. Le booster du Veltal. Alors, on termine ce booster avec Venipat, Fluvetin, Pikachu, Kenotor, Monorpal, Mussiole, Solarok, Brésillon, Coupe-Canaille, donc c'est une holo reverse, super, et Brutapod en rare. Bon, dommage, que des rares pour cette Pokébox. Bon, un petit peu déçu quand même, je vous le cache pas. Mais c'est vrai qu'il y a des cartes que j'ai pas eues, donc je suis très contente de pouvoir compléter. Et je m'attendais pas à tomber sur du dragon exalté, donc moi je suis très contente. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le récap. Alors, pour le bilan de l'ouverture, en reverse, nous avons eu pour la série Dragon Exalté, Miamias, Castorno, pour la série XY, Marisson. Et Coupe Canaille qui est une holo reverse. Voilà. Au niveau des rares, alors Brutapod de XY et Elendel. Ensuite, Maganon en rare de Dragon Exalté, ainsi que Charmillon. Et puis nous passons maintenant à la carte promotionnelle de la Pokébox, Yveltal X, qui est super belle. Donc bon, dommage, il n'y a rien eu d'intéressant dans cette Pokébox. J'aurais complété quelques cartes, mais bon, voilà. J'aurais quand même souhaité avoir une petite holo. Mais la carte promotionnelle est vraiment très belle quand même, donc voilà. Et je voulais la Pokébox de toute façon, comme je collectionne les Pokébox. Elles sont vraiment très belles, et puis on peut ranger des cartes dedans, donc voilà. Et puis, j'ai commandé des pochettes roses. Voilà, sur le site Parcage, ou même eBay, vous pouvez en trouver. Parce que le type fée s'est rajouté du coup à cette série et je trouvais ça plutôt pas mal, elles sont jolies. Donc pourquoi pas, voilà, vous pouvez y aller si vous souhaitez avoir des pochettes roses. C'est tout pour cette ouverture, j'espère que ça vous aura plu malgré tout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!